Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi TCG, comment ça va les fous Moi ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième draft BO3 Enfin c'est pas le deuxième mais c'est le deuxième que vous avez en replay Il y en a eu d'autres je crois qui n'ont pas été mis en replay, bref c'est pas grave euh, Draft BO3, on a fait un score sympathique avec un deck pas très sympathique la dernière fois On va essayer de faire mieux et on va viser évidemment le 3-0 comme à chaque fois Mais comme disait Théo Méry lorsqu'il nous avait coaché Tu vises toujours de 1 et si tu fais 3-0 c'est bonus Et dernière fois Contrat rempli, rempli contrat, on a fait 2-1. Là on va viser 3-0 en espérant toujours faire 2-1. Euh, comme d'habitude, vous mettez le pouce bleu, anticipation de confiance, l'abonnement, et vous mettez un commentaire. Et si vous faites ces trois choses, vous gagnez un petit booster Bloomberg. Enfin, vous entrez, pardon, dans le tirage au sort pour gagner un booster Bloomberg. Quelqu'un sera tiré au sort parmi ceux qui ont mis un commentaire et qui ont évidemment mis le pouce bleu et l'abonnement également. Et vous recevrez ça tantôt. Attention, ça peut mettre un peu de temps à recevoir parce qu'ensuite vous, vous contactez notre partenaire etc qui est la belle carte qui nous permet du coup de vous faire gagner ça sur ces vidéos et ça fait plaisir donc merci à la belle carte n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet labelcarte.fr ou d'utiliser le code Labelcarte carte sur VOCT pour avoir 10 euros de réduction sur votre premier achat euh, sur l'un de nos lives un live autre, mais sur un no live, c'est quand même mieux, ça fait plaisir. On fait du box break, et de la carte unité, MTG, d'autres TCG, ça régale. Euh, autre chose aussi, merci Ultimate Guard, il y en a un fil dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur leur site, vous faites vos achats, ça nous soutient, ça, nous, ça leur montre que vous nous soutenez, ça fait plaisir. Pendant que euh, YouTube, euh, euh, Twitch, pardon, vous salue en disant plein de choses très intéressantes, je vois. On est parti pour ce petit draft. On commence et on gagne un booster systématiquement la belle carte généreuse en fait. Non, non, vous rentrez dans le tirage de sort potentiel pour gagner un booster et il sera tiré au sort dans les jours qui suivent. Dernière fois j'ai draft des cartes de fou mais j'ai choke, j'ai trop le sum. Faut pas de choc aussi, hein. Concentre-toi. Trop on a un petit burning globe là, ça me rigole. là. En fond. Alors vous YouTube ne l'avez pas évidemment la musique. Waouh Une carte injouable. Euh, quasiment pas de vert dans ce booster et très peu de blanc. Pas de bon blanc. Mmh, un super removal rouge qui euh, marche bien avec les souris. Euh, je pense que ça, c'est une meilleure carte. Mais si on joue pas Golgari, ça va pas être zinzin. Euh, le noir est pas très bien. Donc là, je vais privilégier ça. What the fuck, il y a 5 unco quand même, euh, j'ai privilégié ça parce que ça se met dans une bicolorité, enfin dans des bicolorités qui sont meilleures en général. Donc on va prendre ça. Euh, alors si tu regardes les vidéos sur ton téléphone Arcus, oui, mais il faut que tu mettes un commentaire et que tu t'abonnes et que tu mettes un pouce bleu. Donc si tu peux le faire sur le téléphone, ça marche aussi Arcus. On va prendre cet antibète rouge. Oh! Quelqu'un n'a pas pris cette invocation de chute stellaire, donc il y avait certainement une deuxième rare ou mythique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, je pense qu'on euh, va prendre cette invocation de chute stellaire parce que c'est délirant. Euh, de tout détruire et de réanimer un truc, ou simplement tout détruire. Let's go. Ça, c'est naze. Un petit lézard. Qui est descend, c'est un 2-2 pour 2. On a une frappe au sonar. Monolithe, c'est cool. J'ai cru comprendre que sur le téléphone, vous ne pouvait peut-être pas rejoindre les chaînes et du coup que ça ne fonctionnait pas. De toute façon, c'est ton compte YouTube, hein. ton téléphone, c'est juste une interface. Donc, euh, je te dis, si tu peux commenter mettre le pouce bleu, euh, au pire, tu t'abonnes sur, euh, sur PC, euh, c'est pareil, hein, ça marche. Ça va être frappe au sonar. Je crois. Il y a une cultivatrice de morte B sinon. Ah c'est peut-être meilleur ça, même si ça va pas avec nos couleurs. Mais il faut rester open sur les premiers pics. Trois bonnes cartes vertes. On sait jamais. Mmh. Si jamais on joue souris, ça c'est super fort. C'est une bonne carte. Ça j'aime beaucoup, c'est un, une bête fly qui met la pression et qui trigger euh, vaillant. Là je sais pas trop où aller. Je trouve que c'est sous côté Ouais, je vais prendre ça sans grande conviction. Convocation lunaire. Il y a ça, il y a ça qui est super fort. Pas super fort. Une bonne commune. Peut-être on peut prendre du, du blanc pour essayer de pouvoir jouer facilement ça. C'est un bon drop 3, hein, c'est décent. Ok, un drop 2, souris soldat. Descend aussi, ouais. Ou oh. ça, c'est très bien. On a un autre drop 2. On a ça. Si on joue souris, c'est un bon immobile. Si on n'a pas gagné de points de vie, on fait pas grand chose avec ça, malheureusement. Là, il n'y a pas de noir dans ce booster. Je vais plutôt rester sur du rouge pour voir. T'as quatre Festival of humor dans ta boîte Pas un zin. Pas un zin du tout. Alors, on peut prendre ça, parce que double blanc ça se joue, c'est une carte décente. Ou alors, on prend le mentor mitinérant. Mais le vert, il euh, y a un booster où il était open, le reste pas trop. Je crois que je préfère clair de Lune en espérant ne pas me manger les couilles. Il n'y a pas de noir. Une récolte prospère que les gens n'ont pas pris, ce qui est assez fou. Ça, c'est mi-fille, quand même. Je prends récolte au cas où, mais je crois pas qu'on soit sur du vert. C'est quoi l'ordre des couleurs en puissance dans cette Bloomborough Vert, blanc, rouge, noir, bleu. Mais blanc est meilleur dans plus de stratégies que le vert donc en vrai moi je mets le, vert, le blanc au-dessus du, du vert je dirais. On a déjà un comme ça, ok. Le blanc, ça a l'air d'être ok, mais on n'a pas vu beaucoup de souris. On a eu deux. On est resté très open sur ce booster 1, euh, donc normalement on devrait comprendre notre siège dans les premiers pics du booster 2. Je trouve que le blanc a l'air open et la deuxième couleur, euh, je sais pas trop. Le bleu est toujours un peu open parce que c'est pas ouf. Ouais, je vais prendre ça, mais je ne vais pas le jouer, je pense. J'enlève un de combat. Un de moins. All the night. Alors, pour la musique, c'est All the, the line, uh, sitsur. Comme ça. De Toto. Oh, bah tiens, une bonne carte rouge qu'on récupère. Peut-être qu'on est dans le bon siège. Euh, ça, c'est hyper fort, mais on a vu que le noir était cuté de fou. Euh, on va pas se splasher ça. On a un super drop 5, hein. Juste une grosse bête rouge. Putain, 4 cartes bleues, ça fait pas plaisir. Aucune carte verte dans ce booster, à part cette double carte. Bon, on va pas jouer vert, mais je le constate juste. Oh. Ah ouais, mais bon. On n'est pas lapin, là. On serait rouge-vert Non sont là, j'ai qu'un seul truc. Ah, mais ça, ça trigger les souris. C'est vachement bien si on joue souris. Est-ce qu'on pense rester dans le siège Je crois que oui. Ça, c'est trop bien, mais bon. Rouge, vert, blanc Non, non, je vais pas jouer tricolore. Je vais rester sur mon intuition de... Euh, on est dans le siège blanc. Il n'y a rien en blanc qui nous est passé il y a un truc rouge médiocre. Il trigger sur le nombre, pas sur le lapin. Oui mais il est vert blanc. Et bon si je joue vert blanc, j'ai envie d'aller sur lapin. Oui, j'ai peut-être dit qu'il trigger sur les lapins, je me suis trompé, mais. C'est juste que c'est pas dans mes couleurs. Le lapicorne est joué dans un déclapin en standard. Bah, le mentor est meilleur. Soit on te donne rien sur le bleu t'es pas présent dans les boosters, ouais. Oui, je peux encore. Euh, je peux encore récupérer du, du bon petit jus, hein, mais. Là, les premiers boosters, ils font un peu peur. Allez <laughs> ah. Très drôle. Ouais ça trigger que sur les jetons, hein. donc ça c'est si tu joues Célestinia Splash et Rouge. Il fait quoi lui Ah oui c'est le enchantement. Aucune carte blanche. J'ai passé aucune bonne carte blanche, donc c'est bizarre que les gens avec ma gauche ou blanc, ça n'a pas trop de sens. Je rare pique, histoire 2. De... Non, je vais quand même prendre ça qui est jouable si jamais on joue vert. Oh talent du pourvoyeur, mais non on ne trigger pas avec. Si on joue à gros, ça c'est peut-être meilleur que le garde des orties. Je ne sais pas. Non, quand même garde des orties c'est 3. Hein. Talent du pourvoyeur, on fait pas assez de tokens là. Ok, on a de la souris, Flash qui engage des trucs en cible, c'est bien, Arc-Court, il y en a deux dans le même booster, c'est dommage, on aimerait un pour trigger justement nos cartes. Ok, le dropin progéniture qui buff tout. Ah, on a quelque chose là, ça y est. Et on a du super vert, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens que ce qu'on nous passe. Les boosters sont trop bizarres ou alors... Euh... Je fais comment ça pique du vert Peut-être que c'est pas rouge au final, je ne sais pas, je ne comprends pas. Ça c'est c'est de trop. On n'avait pas piqué beaucoup de rouge, mais j'avais l'impression que le rouge était. Bah ok. C'est que j'ai passé beaucoup de bonnes cartes vertes là maintenant. C'est très bizarre, je ne comprends pas trop euh, ce qu'on nous passe. Ok, j'en ai encore. Ouais, le trick, c'est descend, on va dire. Il mange bien, il lui. Mais ben, j'ai pas trop trop de synergie. J'ai mis souris, mi lapin, euh, mi euh, comment s'appelle? Miraton laveur. Web, Un autre saccageur. Hein. Pour le peu que ça fera, euh, on va prendre ce drop 2 qui est insane. Hein. Mi-ours, mi-por, mi-homme. L'homme-ours-por. Voilà, c'est fini à ça. Viper, c'est évidemment insane, mais... Mais euh, noir, on a vu que c'était non. C'est qu'une souris ciblée. Combien d'autres souris On a 7 quand même. Je comprends pas. Je pense que les boosters sont juste trolls. J'ai une vraie aussi. Très étrange ce draft. Bah je suis obligé de prendre ça. Hein. C'est trop 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 fort. T'as mes back-to-back, on nous à c'est l'autre. Et là, ça n'a pas été pique. finalement c'est moi qui l'ai ouvert, donc j'avais la prio. Mais euh, souris polyvalente, ça n'a pas été pique. Web. Ouais, Ah bah, lumière de bannissement, évidemment. Il faut un peu de gestion. Ça va jouer une à tout ça. Bah, je vais peut-être être obligé de faire un tricolore, ouais. Un tricolore bizarre parce qu'on m'a passé euh, des trucs chelous. Combien j'ai de lapins dans le pack 3. Et finalement, ça trigger sur jetons ou lapin. Une autre lumière de bannissement. En avoir deux dans le deck, c'est cool. Bon vent, deux mana blancs, j'exile un truc. Ouais, Trop fort aussi ça. Ah ça c'est un trix de luxe aussi. Plus deux, plus deux, plus un, plus un. Ouais, je préfère une gestion qu'un trix, c'est meilleur. Ok. Donc, en fait, c'est juste tout le monde a drafté diminuer, j'ai l'impression. Mais j'ai pas compris le draft des gens là, ça n'a pas de sens. Là, j'ai plus aucune carte blanche ni rouge. Ouais. Ma foi. J'ai aucune idée de ce qui se passe dans ce draft. Je, je suis pas bon, toi. Là on est sur de la pente descendante même. Oh ça c'est trop fort quand je jouais contre. Bon ça c'est décent hein. petit land là. Les mecs piquent les yeux fermés obligés. Mais même genre en fait ils enlèvent quand même une carte par booster. Hein. Donc euh, Il reste quand même. Euh... Yes. Il reste quand même beaucoup de jus quoi. Je peux reprendre un tour 2. Ou un tour 3 rouge. Ouais c'est fort ça. Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus. Bon, je crois que c'est le vert qu'on va enlever. Donc on est effectivement euh... rouge. Donc ça on enlève, on enlève. On enlève. On enlève. On enlève. On enlève. Oh, on a même encore un truc jouable. On se passera malheureusement de Phineas. On a donné une bonne carte noire à la fin, alors que le noir était que de fou. Ouais, bizarre, euh, bizarre l'ambiance, ouais. Calin, malheureusement, on ne peut pas. Euh, tour 2, j'en ai 1, 2, 3, 4. Mais j'ai 2 tours 1 hein, euh, en plus, donc ça va. 3, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 tours 4 3 tours 5 avec une petite race. Ouais, le deck est, est sympa. Hein Quelques synergies, combien de souris On sourit. Donc ça fait le taf. Avec les progénitures et tout. Il y avait moyen de partir sur lapin en forçant. Mais euh, ou sur raton laveur sans forcer mais je sais pas si ce serait très bien donc euh... j'ai un deck a quasiment pas de réserve c'est pas très grave hein. on sait de très peu même quand on a une réserve donc euh... j'ai des bonnes gestions et tout euh, let's go hein. on va voir ce que ça donne le pack fait des choses après c'est vrai que j'ai un pack euh... aggro mais qui agresse pas non plus euh, de fou avec une race et comme la Vras récupère une carte que je tue, c'est moins gênant. Ouais, je kiffe. Alors il faut que je pioche deux plaines. trouve que je joue bon vent, mais c'est pas grave. Oula, pourquoi je lag comme ça Bizarre, bizarre l'ambiance. Il faut que je pioche deux plaines pour ça aussi. Là je curve. Hein. Tour 2, dans tour 3, dans tour 4. Si je fais des curves, ratons, c'est pas fort. Ouais, c'est sûr. Compliqué. Ok. Bonne pioche, euh, jeune homme. Je vais lui proposer le trade. Qui va pas prendre au cas où j'ai un trix. Ah, si. Il veut double fourrager Ça me va. Je vais peut-être curver ça. Ce qui va me permettre de euh, débourser 4. Mettre 4 points. Oh, bah, il est fort, lui. Lui, il est bien fort. Hein. Non, je joue contre des gens qui ont drafté autre chose, euh, Gear. Enfin, une autre table. Enfin, je peux affronter quelqu'un à qui j'ai drafté, mais il euh, y a plus de chances, yes, que j'affronte euh, euh, quelqu'un d'autre. Et là, avec ça, je vais pouvoir jouer ça. J'attaque avec les deux. Trigger, je mets plus un plus un à lui. Trigger, j'engage la bête qu'il a jouée. Je mets 6 euh, points. Alors lui je pense qu'il faut pas aller en late game contre lui. Ok. Ah je peux optimiser en progénitant, ou alors je fais ça et ça. S'il a une vraie, euh, je suis un peu chocolat blanc. Hein. Non, je crois que je vais faire mon play de base. Ça, si il prend tout. Je vais garder ma maîtresse d'épée, pas de fleurs. Pas de fleurs, pardon. Y a pas mal de vrais dans le format. Non, mais il joue tricolore et il a accès ne serait-ce qu'à invocation de chute stellaire. Là, en jouant ça, j'aurais pu mettre un ou deux points de dégâts de plus. On verra. avec ses food et ça, ça fait des trucs. Hein. Il le refait. C'est passé quoi dans ce début du game Désolé, j'étais parti me chercher du riz. Eh bien bon riz à toi Big Merguez. Euh, écoute, on est au T5, hein, donc, euh, a outé 5, donc ça pas... C'est pas passé grand chose. On se bagarre un peu. ça ça peut le finir c'est sympa hum. si je progénite je peux le cibler pour mettre plus 1 plus zéro. je peux pas trigger ça allons y Il y a peut-être un petit Trix, le coquin. Il a plus 1, plus 3. Donc il a, une, il a des 2, 4. Je peux pas faire bon vent. Euh... Il me manque un mana blanc. Si je mets là, je buff euh, ça et ça. Si je mets ça, j'engage une bête. Ce qui change pas grand-chose. faire grand chose au plus en plus 3 en fait si je... Ah, bien, si je mets ça je buff que ça en fait donc dans tous les cas faut le faire ici et j'engage une bête avec son trick il peut pas la tuer plus en plus 3 dégagé on l'avait lu il peut double bloc pour tuer le trappeur faire value trade des chumps ici Ok. J'ai casté ça avant pour rien, du coup. Je suis embrouillé dans mes calculs. Bon, je l'aurais casté après, en tous les cas. Ok. Ah la vache! Il met bête et anti-bête dans le tour. Je peux vrai s'y récupérer ça mais pour l'instant c'est pas très intéressant. Je vais lui donner un poisson engagé. Est-ce que je le tue attendez Allo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Je vais faire ça. Cibler une créature. confirmé Et du coup, hop, je mets 3, il bloque pas. On résout. Bon, bon, bon. Ok. Noise, euh, pas de side et on espère faire la même sortie. On a non le de là on a juste fait une sortie curvée. lui il... il contrôlait un peu, il piochait des cartes, il avait plein de cartes en main mais je pense que un ou deux tours plus tard on gagne plus la game. Mais euh... mais là on s'en est bien sorti. Si je peux avoir un tour un tour deux. J'ai tour 2, tour 3. Il faut piocher des landes. J'ai un bout de curve. Ouais, je vais garder. Vu que l'adversaire commence. Oui, oh, il a sa petite taupe. J'ai pioché du rouge, ça fait plaisir. Ouais, je joue Boros. Big Merguez. Mouilleur. Ça joue contre Lich. Est-ce que ça c'est meilleur en tour 3 J'ai pas de tour 4 V donc je ne crois pas. Ai un autre mana rouge pour ça. Euh... Pareil, je propose le trade. Je joue ça. Qui a la menace, euh, qui a le, la vigilance du coup. C'est BO3, a L'air d'avoir un bon pack l'adversaire. Ok, ça, on pourrait le, le laisser se tuer avec s'il n'a pas de moyen de les gérer. Je peux aussi gérer euh, son augure. On va voir comment il bloque. Il donne le petit, ok. Donc moi je peux... En fait je peux le laisser piocher parce que ça va aider mon plan de jeu. Mais s'il pioche des landes ça me fait chier. Qu'est-ce qu'on en pense de cet augure euh, sombre étoile Je pense que je peux le laisser piocher un peu et développer plutôt mon board. Il a pris 3. Ça lui donne plus d'options et ça lui permet pas de développer beaucoup de plaies par tour. Même tes plaines rouges. C'est des montagnes Oh quand même. Oh, elles sont un peu rosées. Ok ça c'est hyper chiant donc va falloir le gérer. C'est fait un c'est de vous une carte. Ah bah je perds 3 points de vie, oui. On va gérer ça. Tiens, tu es un poisson. Je mets 6 points. Trigger. Il perd 2. On est kiff kiff au niveau des cartes en main. Il a deux nourritures mais toujours pareil. Hein. S'il utilise des nourritures pour piocher plus, c'est du board en moins. S'il développe son board, bah, il reste long au PV. Là, il réduit les chances d'avoir des landes, donc il augmente les chances d'avoir des cartes actives sur son augure. Quatrième tir, c'est pour bientôt. J'espère, hein Je le souhaite de tout cœur. Là j'entre dans la phase où il peut, euh, il peut bloquer pour faire des trucs un peu chiants. Je peux quand même attaquer pour voir s'il perd son augure, ça me va. Je vais mettre 2 ici. Il prend 3. Il est à 6. Comme c'est piétinement, il prend 3. Il est à 3. Et là, faut il faut qu'il pense à jouer... À... Ah, il ne l'a pas fait. Il a pris 3, il est mort. Il pourrait mettre un stop et sacrifier des foot pour ne pas crever. Et ça dégage. Tu peux lui engager un truc, non Si je jouais ma 3-2, oui. Mais je voulais voir comment il bloquait. Est-ce euh... que gérer sa bête, ça m'allait ou pas Un Z. Ok. C'était la première game, petite game de chauve, ça fait plaisir. Un petit G Arena, l'ami du peuple. Des fois ça me baise parce que ça engage mal mes landes. C'est quand ça me fait gagner comme ça, ça fait plaisir. Pourquoi il bloque pas avec sa chauve-souris Je pense qu'il voulait capitaliser dessus, mais euh, il devait pas savoir comment ça marchait le piétinement et, et euh, quand on tue un bloqueur. Et du coup, euh, il pensait prendre 0 dégâts. Il a pris 6 points de surprise. Quand tu passes de 9 à 3 d'un coup. Euh... Et il n'a pas mis de stop. Après, le jeu aurait pu lui proposer naturellement. Euh, je trouve. Mais bon. Par contre, Noland, euh... je sais pas qu'il faut Pépon pour les avoir. Mais je veux bien son adresse. Hein, parce qu'on galère. Web yep. nickel Le jeu d'arnaque Il pouvait très bien mettre des stops hein. C'est pas le jeu qui l'a condamné C'est dommage de pas progéniter ça mais bon en simi qui gère pas trop trop les bêtes. Lui, si tu veux. Le jeu qui s'assure que tu prennes pas trop confiance non plus. Ouais. Un land, un land, euh, que des landes rouges, Mes mais il y en a 5, donc bon. Et c'est pas de bloc. Non, mais deux. Ah, je crois qu'il a loupé un endroit aussi, l'opo nos puntos. Il a beaucoup d'effets de, euh, fight pour gérer. Donc, si je garde mon anti-bet euh, tout le temps, je devrais pouvoir. Euh, y répondre. Eh ben, on s'emmerde dans cette game hein, où on pioche pas de landes. Moi, il me manque du blanc, lui, il manque des landes. Il a joué quand même plus de cartes que nous. Malades de côté, quel enfer! Ouais. Ah, moi j'ai un deck euh, plutôt blanc que rouge en plus donc. Euh... Oh, C'est léger hein, mais. C'est quand même relou. Ah, ce petit jeu on va perdre. Hein Il a 6 points de vie là. La partie où tu check tes mails. C'est celle-là même. Ah Carte active. Lourd. Allez! Il s'emmerde tellement, Bulldozer Tavares, il est parti. Bulldozer Tavares, putain, le pseudo est extraordinaire. Allez, tiens, interagis avec moi, je te laisse une fenêtre. On a toujours deux cartes en moins que lui, hein. Comme ça, tu vas pouvoir donner double unit à ton duo. Est-ce qu'il est souris Eh non Ah si, il est souris à raton laveur. Trop bien Parce que je voyais surtout le raton laveur, mais j'ai oublié la petite souris. C'est vrai que c'est un duo. Il a gagné 3 peuples Ah ouais, c'est... Les temps, ils sont durs là. Ah, il va discarder une carte en plus. Putain, mais quel enfer ce jeu... Attendez, 37 Non, mais on est tombé où là On est tombé où, putain... <laughs> putain de merde. <laughs> on est tombé où où suis-je D'où sest Ah, ça cogne, hein Fin de tour. J'y mets 3 en tuant ça. Oh, il a un land. Ah, c'est un land. Attendez, je crois qu'on a gagné. <laughs> c'est trop laid. C'est trop laid. Euh, je j'ai donne un trésor engagé. Ah non j'ai un trésor tout court donc il pourra euh, gagner 3 PV. Ouais oh, je le fais quand même pour délirer. Que ça j'oblige à craquer le trésor que je lui donne pour gagner 3 PV. Et moi j'ai pioché un mana blanc là. Avec ça, dès que j'ai un mana blanc, je vais engager son bloqueur et je passe. Allez, Bulldozer Tavares, je t'en supplie. La game est un supplice pour tous les deux. J'ai une occasion de la finir pour passer à la prochaine. Laisse-moi faire ça. Yes, putain. 50% de chance de trouver des landes. 17 landes pour 51 cartes. Ah, je crois qu'il y a un peu trop de cartes euh, du côté de Lopo. Mais vous allez me dire, euh, au final, euh, il a autant de landes que nous, et il est fixé. Nous, euh, non. C'est peut-être lui qui a raison sur les stats. Ah, il n'a pas vu la ligne. Non, je pense qu'il en a eu plein le cul. Et je t'en remercie, Bulldozer. Euh ok j'avais 9 chances parce que j'ai le village qui marchait aussi Ok bah go hein Il y a vraiment tout est en BO3 quand même Ah ouais Mais en général le niveau je le trouve plus élevé en BO3 Euh Que en BO1 Bah en même temps BO1 ça dépend Deux invalidés Soon Euh Le 2 victoire Bah Attends, on va voir si on va perdre la dernière hier euh, 94. Faut savoir si on fait 2-1. Mais là, le Bulldozer qui joue 50 cartes, je pense. On devrait la gagner, celle-là. Il est il a rentré le ça, et il a oublié de l'enlever. Il mélange comme ça. Trop de cartes, moi De Victor Mini, oui. Aïe ah, le karma. Aïe ah, le karma. Il est au moins élevé en BO3, je trouve. Ah ouais Putain, euh, quand. Euh, je sais plus, c'est sur Wild of Elden, un truc comme ça, quand je m'étais fait coacher par Théo, avant de me faire coacher, je me prenais des, des, des abominations, quoi, en draft BO3. Et du coup, j'étais en mode, bon, bah, on va retourner en BO1, parce que le BO3, c'est visiblement. Euh, s'il n'y a que l'élite euh, du Hall of Fame et des, euh, des compétiteurs de pro tour qui en fait, parce que c'est tellement pas value le limiter sur un euh, TGO que euh, pour le, les formats stand, <coughs> standards, enfin les dernières extensions qui sortent quoi, euh, les gros compétiteurs ils draftent quand même sur Arena, hein. c'est beaucoup moins cher. On va voir son décret très les deux game, on va voir. Salut Rick, 76. Comment tu choisis le nombre de terrains à mettre dans ton deck et quel terrain Alors, est-ce que tu parles pour le limité ou en général Dans Magic, enfin pour les formats construits. Là, en limité, la règle c'est en général 17 terrains, euh, 8 et 9. Euh, en privilégiant euh, légèrement celui que tu as un peu plus. Donc si as un peu plus de blanc que de rouge, bah, tu mets un peu plus de plaine que de montagne. Si tu as des terrains spéciaux, tu les comptes dans tes landes, évidemment. Donc tu mets moins de basiques. Et euh, de temps en temps, si tu as une curve basse, euh, des trucs qui fixent, qui vont chercher des terrains, qui piochent beaucoup euh, pour pas cher, tu peux passer à 16 landes. Mais en général, on évite. Drave 3 ça coûte euh, 1500 gemmes. Ou 10 000 gold. Hop. Et ça, c'est NLU. Ça coûte combien une draft 3 Je viens de lire la question. J'ai l'impression que le message venait d'apparaître. Je suis fou. En construit, c'est pareil pour les terrains Non, en construit, euh, tu joues. Euh, c'est plus complexe. Euh, rix 76 euh, bah, Je crois qu'il est parti bulldozer là. En euh, construit, euh, ça dépend du format construit ça dépend de ton deck. Un deck agro il va jouer une vingtaine de terrains. Euh, un peu plus, un peu moins. Un deck contrôle, il va plutôt jouer euh, entre 26 et 30 terrains. Euh, C'est vraiment variable. Les terrains, tu les choisis pas en mode juste bon bah je mets 10 et 10 par exemple si je suis bicolore. C'est plutôt en fonction de ta curve. Si tu joues majoritairement en vert, mais que tu as besoin de beaucoup de bleu en début de partie, bah, tu vas équilibrer. Même si tu joues pas beaucoup de bleu. Il y a beaucoup de tutos sur internet qui t'aideront. Je crois qu'on en a fait aussi sur les mana Sinon, la Bible, c'est le tableau de Frank Karsten, mais c'est un petit peu, quand tu commences, compliqué à, à appréhender. Et c'est un tableau qui te dit combien de sources de coloré tu as besoin pour caster telle carte. Donc, pour une carte qui coûte double mana vert, deux manas donc deux mana vert, euh, le tableau, il va te dire que bah, tu as besoin d'avoir tant de sources pour avoir tant de pourcentage de chances de caster ta carte autour d'eux. Bah 7, 2, 0 du coup, malheureusement. Désolé, hein, je vous propose pas un spectacle de fou. On mise tout sur la dernière. Désolé, j'étais pas là, j'étais parti chercher une danette. Mais tu fais exprès, Big Merguez, là. Tu loupes tout, tu vas chercher à bouffer pile au mauvais moment. Un coup il va chercher du riz, un coup il va chercher une danette. Qu'est-ce que tu iras chercher Un petit carré de chocolat à la prochaine Non mais concentrez-vous. Moi je peux pas récapituler pour tous ceux qui vont chercher une danette et du riz. Mais je le fais pour Big Merguez. Le mec, il a déco, il n'était pas là et il a rien fait à la game 1, comme nous, mais on n'a rien fait mieux. Des Madeleines après la Danette Ah, mais du coup, tu, tu, tu finis sur un truc sec. C'est mieux de finir sur la Danette. Un truc plus. Euh, plus frais. J'ai jamais fait des commandeurs multi, mais ça paraît encore plus compliqué. Ah, bah si t'écoutes euh, le chat que j'avais hier sur Voct, tu, tu mets 10 terrains et ça suffit. Très simple, Très simple. Si tu m'écoutes, moi, c'est pas du tout les mêmes conseils, mais c'est très simple aussi. Enfin, c'est très simple. J'ai l'habitude, donc c pour moi, c'est sûr, ça me paraît simple, mais. Pour euh... pour les gens, euh, non. Qui n'ont pas l'habitude de builder. N'est pas un mini frigo que tu de pour regarder. les PL. Je crois que tu parlais à moi, euh, et que tu me voyais. J'ai dit, bon, mais Jacob on n'est pas assez près, tu peux me tutoyer. Euh, c'est une main un peu lourde, mais euh, l'adversaire joue en premier, j'ai fond à mon deck. Ah, attention. Je perds foi. Uh. On va lui mettre ça dans le groin. Ah, j'ai une sortie, euh, finalement, curvée à gros. Bah, ouais, juste, j'avais pas de tour 2. La game d'avant, il t'a chié dessus. Qui ça Un point. Il a dit quoi Chauve-souris. Ah il a juste ça euh, parce que c'est bien et que ça marche avec les chauves-souris, ok. Ah oui, j'ai une belle curve hein. là. Là c'est 3 points. Euh, into euh, Equiacos. défausser un truc où je perds 3 points de vie juste tant pis euh... je peux jouer ça mais ça n'accomplit rien donc je vais juste passer Evras je pense je vais prendre 1 2 je vais prendre 6 oh wow On va se défausser une carte. Hein. Euh, en fait, je... Attendez. Je peux réanimer ça, lui remettre 3 points, mais je peux juste le sacrifier et ne pas lui donner de carte. Je crois que je vais faire ça. Allo Mon tour. Je ne fais pas cadeau. C'est dans votre cimetière, hein ouais. Je veux dire, si je pouvais réanimer ça, j'aurais pris ça, évidemment. Il a double bête, là Ah bah ouais, avec ça. Je peux pas double bête... Ah J'avais une curve un peu sympa. Si je vais un drop 2, j'aurais pu faire des trucs. Bon, la vraie ça me met quand même pas trop mal. Ah, bon bah, ok. Il a fait une curve de zinzin avec bet Mais oui, bonjour. Putain un nickel quoi. Après, l'Unco là. L'Unco tour 4, c'est délirant. Les stats sont folles, l'effet est fou. Son drop 2 aussi menace qui m'a mis masse point à distance. C'est un peu chiant. Est-ce que je veux ça Non, en 3-4, c'est moins bien que sa bête. Hein Allez, on essaye de ne pas se reprendre la même. Ah, j'aurais dû lui faire piocher une carte et garder ma carte, mais bon. Je ne pensais pas qu'il repeuplerait aussi facilement. Ouais. J'ai un tour 2, j'ai mes landes. Salut euh, Fabaf49. Je viens de reprendre le jeu, j'ai cumulé pas mal de gold, 40 000. Je me conseille de les dépenser comment pour la prochaine extension Alors, le plus euh, rentable, c'est de faire des drafts pour euh, ta collection. Mais si tu veux quand construire et que t'as la flemme, bah, achète juste les boosters de la dernière collection et, et ce sera déjà très bien. Je vais attaquer, hein. je peux pas bloquer. Bon, il y a eu deux fois sa rare qui euh, casse-couille. Sinon, on fait deux fois euh, pas d'une bonne sortie, malheureusement. Ouais. Ah, je pioche encore des landes, ouais, franchement des fois c'est de la grosse merde magique. Hein. Je peux pas le dire autrement. Je garde une main qui est moyenne, mais bon, euh, je me fais punir alors que j'avais plus de chances de piocher les tours 2 et 3 qu'autre chose. Là je garde une main qui est acceptable. J'ai 2 euh, chances sur 3 de piocher cartes actives, je pioche 2 landes. Bon. Ça c'est solide par contre. piétinement célérité. Je pense que je mets plutôt ça. Je peux aller plus big que lui là, je m'en fous. Ouais, je crois que je mets ça parce que ça, tour d'après, il s'y attendra pas. Il s'y attendra peut-être pas et ça peut lui mettre une grosse calotte. Là, on a quand même 4, 5, 6, 7, 8, 9... On a fait 5. On a 14. Bon, il a 16 hein, mais... Je repose des points. Bon, il est anti-bête, visiblement. Sanglier 6 mi voir Il a 1, 2, 3, 4. S'il repose 2 chauves-souris, 5, 6, il me tue pas normalement. Je tente la grosse sortie pour faire ça et anti tour d'après, au pire. Chauve-souris, c'est bien dans hein, la méta standard. C'était bien en début, maintenant euh, ça a totalement disparu. Enfin, ça a disparu des tops, en tout cas. 4. à 2 Oh vache Il gagne 6 points de vie, sans s'en bat les couilles de mes phases d'attaque. Bon, deux cartes pour une, ça me va. C'est chaud C'est chaud ça brûle. Faut que j'attaque. Pan, pan Je joue ça et avant sa phase d'attaque, je vais gérer ça. Oui. Et je vais te donner un petit poisson. Euh, je peux aux chasse brute, il a le piétinement, il a 8 points de vie, il a 10, 11, 12, 13, il a 13 points de vie. Je peux mettre un marqueur là-dessus. Là je peux jouer ça et ça pour mettre un marqueur et piétinement là-dessus. Donc s'il bloque, il prend quand même son point de dégâts, donc il passe à 7. Là il bloque, il a pris son marqueur aussi, il prend 4. Donc le mieux c'est qu'il bloque là, donc il prendra 6. Je le laisse à 1. Mais il a perdu ses deux bêtes. Ça dépend ce que c'est sa carte. On peut checker en jouant des cartes nous-mêmes. OK. Allez, dernière. Go. Je pense que je le tuais pas mais que j'avais euh, Il était obligé de bloquer et du coup. Il me tuait pas sur le comeback, il avait que son poisson. enfin si un trick sur le poisson ça pouvait le faire. Euh, potentiellement. Mais non, j'avais un petit bloqueur. Alors, il fallait trixer anti bêtes sur le poisson, c'était quand même. Alors j'ai une main de merde. Mais j'ai un tour 1 et un tour 3. Mais j'ai un peu moins de 2 chances sur 3 de trouver. Ah c'est dur là. C'est dur, c'est dur de fou là. On a vu que sur les mains de départ par contre le jeu nous a cagué dans la bouche. Alors qu'on n'en voulait plus. On a déjà assez mangé. Non, ah, faut que je me ligne. C'est bien meilleur. C'est bien meilleur. J'ai un tour 1. Ah j'ai envie de tout garder. Je crois que c'est le gâteau de carottes que je dois virer. Essayer de lui faire une sortie patato bingo ou alors chez tour 1, tour 2, tour 3. Ouais, non, un beau mulligan. Vu comme le jeu nous a cagué dessus, on est content. Avec sa tour 2, on peut proposer des belles patates. Hein. Trois fois d'affilée, il me fait ça, sans déconner. Je peux attendre un tour, tour 3, tuer ça ou provoquer ça et faire progéniture euh, tour d'après, je pense que c'est mieux. Ouais. Il y en a peut-être plusieurs, hein, mais trois euh, fois ça, tour 2, euh, c'est quand même très relou. Wow ah non mais il a un pack de fou lui Il a un pack de fou Mon clair de lune est nul hein. Il faut tuer Zoraline c'est trop fort sinon Bon cela dit moi je vais euh... Je lui mets un point parce que je peux pas bloquer Je vais pouvoir jouer euh... souris polyvalente Sur ça faire des trucs hein, Mais pas. C'est pas du calibre de ce qu'il nous proposait là ça ça oui c'est Yves piétinement avantage la là c'est que badge garde quand même un, un effet pas de bloc Euh, Là-dessus, c'est sûr. Ouais, les deux dessus, hein. Bissati. C'est même pas tant impressionnant que ça. On hein. prend juste 4. Sur le token. Il bah faut que je cible une fois ça pour qu'il ait le buff, malheureusement. Ça dépend le follow-up qu'il a. Hein. Là, son board n'est pas trop trop relou. 2, 4, vol vigilance. Il gagne plus en plus 0, Ok. Je vois pas trop quel est mon. Il accepte juste de perdre ça. C'est la dernière carte centrix. Oh ah ouais, non mais là, il est très très bon. Il est très très bon et nous, on est très très mauvais. Je peux plus attaquer avec ça. Si, je peux attaquer encore avec ça, mais c'est pas ouf. Ok, ben bah on va voir. Hein. Peut-être que le village après. Ouais, mais le village, je vais piocher une carte. Ça marche pas sur le token. Euh... Là, il va me mettre 1, 2, 3, 4, 5. Je suis pas mort. Il me faut 1. Un... Ah, je peux pas attaquer. Quel enfer. Je peux pas attaquer. Et il va me tuer en fly. Ben bah, 2 chances sur 3 de, de piocher carte active. On a pioché beaucoup de landes malheureusement. Et puis lui il a eu trois fois sa rare euh, broken. C'était un peu chiant. Ah dommage Et On a fait beaucoup de long game dans un sens ou dans un autre. Ça je tue. Je fais ça. Non là je tue pas. Donc, ça, c'est là, c'est sûr. Non, je suis con, quoi. Ah, mais je peux pas tuer ça dans tous les cas, casse les couilles. Eh bah, ben, tiens, mange. Et hop. Est-ce qu'il y a top qui l'étal Bon, bah, bien joué. Top des Ouais, il était trop fort Fréchido. Fréchido malheureusement, euh, il devait prendre son 3-0 et, et on ne pourra pas faire mieux quoi. Et ben bah, c'était un draft express la vache. Si j'en refaisais un de la même vitesse, je pourrais en refaire un maintenant. Sauf que on sait très bien qu'il va durer 100 ans et que ça va mettre dans la merde pour mon rendez-vous d'après. Donc je ne pourrais pas en lancer un. Ok, bah le, le double, genre, il me reste une carte c'est euh, tricks de combat. Je tue ta bête. Et euh, je top deck une autre carte, c'est euh, Trix de combat qui tue ta bête, qui me fait gagner point de vie, qui me donne l'étale. Il était très bon. Il était très bon, ça, on ne peut que féliciter l'adversaire. C'est dommage quand même le BO3, la différence de récompense entre 2-1 et 3-0. 2-1 c'est médiocre euh, OK. Et à 3-0, t'es pas trop mal. Vu le draft bizarre qu'on a fait encore une fois, par contre le draft BO3 comparé au draft BO1, je sais pas si euh, Arena euh, sépare. Mais tous les drafts que j'ai fait BO1, c'est généralement avec des gens qui savent un minimum drafter, le draft est agréable. Tous les drafts que je fais en BO3, euh, j'ai des trucs très bizarres là depuis euh, quelques semaines. Donc euh... donc bizarre l'ambiance, je ne sais pas. Les adversaires que j'ai en BO3 aussi. Gear qui a karma, c'est désolant. C'est à la vie. C'est quand même dommage, il y en a une qu'on perd euh, sur le BO euh, où on joue pas. Et la dernière, euh... oh, il fait juste une meilleure sortie, quoi. Juste une, une meilleure sortie que nous. Vous vous rappelez quand on a eu deux lumières de bannissement Et qu'on les a jamais piochées de toutes les games Moi, je m'en rappelle. Moi, je m'en rappelle tout à fait. oh trop bien des cartes des Dégage. Eh bien écoutez, c'est la fin de, de cette VOD pour vous, euh, Twitch, et je pense que ça va être la fin de ce live aussi pour vous, YouTube. Euh, comme ça, je vais avoir le temps de, de manger avant le, le petit rendez-vous, le petit interview. Euh, je vous fais des bisous, je vous retrouve très bientôt. Euh, bah, sur Twitch, ce sera jeudi, et sur YouTube. Il y a de grandes chances que ce soit le lendemain ou quelques jours plus tard. Je ne sais pas quand sortent les VOD exactement. Euh, N'hésitez pas, euh, encore une fois, à participer au concours si vous êtes sur YouTube et euh, à follow si vous êtes sur Twitch pour être averti des prochains lives. Je vous laisse. Non, je n'ai pas gagné Valcrovelos, c'est la dernière game. Euh, des gros bisous et surtout n'oubliez pas, c'est la belle magie. Ciao tout le monde!